Bonjour tout le monde, c'est Guidec62. Bon, on est parti pour le cinquième épisode. Alors, là, je vais regarder parce que je vois que j'ai des compétences à mettre. Alors, j'en ai deux. Voilà, on va utiliser celui-là. Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Hop. On va prendre ces deux-là et à la enquête. Alors, Sigurd a choisi un lieu où s'établira le clan, mais l'aménagement de ce petit campement n'est pas une sinécure. Parlez à Gunnar, d'accord. Vous parlez à Gunnar, il est où? Oh, ça va, il est pas loin. Ah, ça on va prendre. Ration complet. Ah, c'est con, on peut pas mettre de côté, quoi. Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. How I miss those days, ransacking and pillaging, blade singing and shield splintering. I would ask you to join us, but you're the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the war of a river horse. Though you do remind me, I've found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes, bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you, and put it to better use than they did. Okay. C'est là qu'il faut aller. Non. Prendre le commandement du navire. Le navire, il est là. Attaque de monastère. Attaque des lieux bien gardés et idéal pour trouver des coffres, ravitaillement et de matières premières. Ces éléments sont nécessaires pour construire des bâtiments dans la colonie. Une attaque de pillage est terminée lorsque tous les coffres de richesse de la zone ont été pillés. Ok. At last! We will crack these Christian monasteries like this a row of hen's eggs! The Saxons know we are here, Doc. The monasteries will be well guarded. Ah, but nothing more than priests and prayers, I'd wager. Ah c'est chiant, on peut pas mettre la voile ici. Ah si. Parce que tout à l'heure j'étais sûrement encore trop proche. C'est quoi ça le rond là? Take it. And kill those guards! Remember, my blows!
Oh. Bah. Oh lui. Et il arrive à me tuer lui tout seul, le petit soldat de côté là. J'étais un peu trop à l'arrache. Ouais. Bon là on va y aller moins à l'arrache. Hein. Je pensais que des petits soldats comme ça, juste leur foutre un coup de hache, il n'y avait plus quoi. Ils sont plus résistants et puis ils font plus mal surtout. J'avais dû faire ça. Ah, voilà celui que ça lance là. Ah, il est terrible. Mais le gars, il m'attaque même pas, il arrive à me toucher. C'est ce que j'allais dire, il y en avait bien un autre à fouiller. Ils sont où les autres? Ah, ils sont là. Ah ouais, mais s'ils se mettent à deux... C'est ceux avec les lances, à chaque fois ils sont chauds. Oh... Oh, il m'a l'air vénère lui. C'est bien, viens m'aider, t'as raison. Oh là. On sent qu'il y a des plantes là. Quand j'ai passé tout à l'heure. Ah voilà. Voilà, ça m'aura donné un peu de vie. Si on a d'autres ailleurs, je pense pas. Bon, enfin, il était violent, lui, quand même. Vas-y, je te soigne, y a pas de problème. Ouais, y'en a d'autres qui sont blessés. On va les soigner parce qu'il donnait beaucoup de mains quand même. Elle a même encore un lobo. Don't fall for any traps.
Ouais, si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. Il y en a encore là des vivants? C'est un soldat de quoi ça? C'est des soldats de où? Non, c'est des villageois ça ou je sais pas quoi. Non, il n'y en a plus. Non. Normalement, faut que je vais où il y a les lumières, quoi. Là. Hey, come here a moment. Ouais, il y en a dedans. Il a pas dû me toucher les masses, mais... Bon, par contre, là, ça serait bien, c'est qu'il faut que je trouve des trucs pour me redonner un peu de vie, quand même. Là, c'est critique. Ok, richesse collectée. Ça, c'est bon. Il y a que ça dedans. Truc qui est autour quand même. Moi, je verrai ça plus tard. Je retirerai. D'abord, continuer la mission de l'histoire. Je ferai ça plus tard. Ils ont mis du temps à avancer. Non, ça fait qu'ils avancent pas. Ah ouais, c'est faut tourner le bateau. Ah voilà, là, ils avancent. Ouais, faut tourner le bateau, ouais, voilà. Too many. Likely story, Wolfkist. Me? I killed 26, I think. Nah, there were barely a dozen when we arrived, Doc. Oh, no, you missed them. They attacked from the forest. Bon, c'est bon, il y a déjà.
Allez, c'est bon, on y est. Hold here. We'll pick up. Bon, il n'y a plus qu'à aller voir le forgeron maintenant. Ah, c'est quoi ça? And we good news, I hope. I think we have all we need. Voilà. Ah, this is wonderful, Eivor. A forge bigger and hotter than my old forge back in Thornburg. Come visit me anytime. For weapons and gear, there is no man better than me. I will, Gunnar. Have no doubt. Alors, bâtir la colonie. Accéder à des services, colons, quêtes spécifiques, et plus encore en construisant des bâtiments à Ravenstorm. Pour construire un nouveau bâtiment, approchez-vous d'un panneau avec suffisamment de caisses, ravitaillement et de matières premières. En grandissant la colonie, gagnera en renommée et offrira de nouvelles possibilités de construction. Appelez le corbeau pour afficher tous les services existants ou constructibles. D'accord. Hello and well met. On va regarder le corbeau. Ok. Bureau des ceux qu'on ne voit pas. Ok. Ok. Enfin, on verra pour le moment. On n'a pas les affaires pour. Ration complète. The Saxons break their kingdoms into smaller territories called shires. Eivor, in here. What will you keep in this room? My finest weapon. For this room is yours. Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well, but I would be just as happy lodging with the raiders on the wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together, as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. Okay. A letterbox for messages and requests. A bed better than many I have slept in, and a good place to recover. Not much, but it is mine. On va dormir parce que je pense que ça régénère la vie au complet. Donc tant qu'à faire, autant repartir d'attaque. Alors, il est où l'écurie de Rowan. Génération complète. You're ready to ride at a moment's notice. Count on it, my friend. The path ahead is bright. With glory at its end. Farewell, Eivor. But why now? Dan, leave. What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that.
We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First, speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. Alors, les points de compétence. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça déjà? Bon, on va prendre ça. Voilà. Alors, enquête. Ah, là on en a deux. Okay. Eivor, my stable is a bit spared just now, but if you can build me something better, I'll promise you the finest of beasts. A bustling stable would be a great boon here. I'll see what I can do. Raiding is the surest way to find treasures and supplies for building up our settlement. Hello, Eivor. Elle a l'air dedans. Ouais. There you are. You wanted to see me. As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane, and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok. Or head south to Grantabridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Speak with him and see what he needs. I want to see the alliance map. Carte des alliances. Pour que la colonie prospère en Angleterre, votre clan doit conclure des alliances. Convoitez un territoire pour confirmer votre souhait d'alliance. Au fil des engagements et des alliances, d'autres territoires deviendront disponibles. Okay. I have changed my mind. I should go. Okay. Bon. Du coup, maintenant j'ai trois trucs. On va faire celui-là. Hytham, Randvi asked me to see you. About finding friends in the cities of England. That's right. London,
Jorvik, Winchester, all three are infested by members of the same order to which Kjotve belonged. But their reach extends much further than this. Of all the lands on Earth, I believe England is the most overrun. Do they cause here the same turmoil Kjotve caused in Norway? Not just turmoil. They spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this. Of course. This is the sole purpose of the Hidden Ones, to liberate the body and spirit of man from any unnatural shackles. But we have not operated in England for over four centuries. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Our task will not be an easy one, but with a bureau, Basim and I could begin our work. If you have the time and spare resources to build one, we would be most grateful. I will see what I can do. Bâtir le bureau de ceux qu'on ne voit pas. Il manque des trucs aussi, donc il faut que je regarde sur la carte. S'il n'y a pas... Faut que je vais attaquer des trucs. Non, il y a là, c'est là le plus proche, je pense. Là, j'ai même pas besoin d'utiliser le bateau, j'ai juste à traverser. Je regarde même pas mon équipement souvent. Il n'y a pas de flèche, donc il n'y a pas de truc que je peux augmenter. Non. Ouais, ça va, il n'y a même plus 400 mètres. Ouais, il y a des loups, je vais essayer de les esquiver parce que je sais pas ce qu'ils vont faire. Ah bah. Bon, c'est bon, j'arrive à les esquiver. Il y en a plein là aussi. Bon alors là on est plus très loin. Ça doit être le bâtiment là. Des ennemis ça ou non? Non, ça c'est pas des ennemis. Alors...
Ouais, je pense que les coffres, ils doivent être au-dessus. On va essayer d'aller le plus haut possible, hein. Je pense que plus on va haut, plus le trésor, hein, il sera là, quoi. Oh. Il a loupé le bord. Alors. Il y a quoi là? Il n'y a pas l'air d'avoir de trésor. Peut-être là. Mais non. Ah non, il n'y a rien de... sous l'eau. Non, on peut pas passer en dessous. Ah, j'ai eu quelques trucs que je pense, mais après je sais pas si... C'est ce qu'il faut ou pas. Ok. Donc
avec ce que j'ai eu, je sais pas si j'ai assez pour bâtir Je vois pas le machin. Ah, ça doit être en dessous de l'eau. Ah, les trésors sous l'eau comme ça, c'est quand même plus chiant à trouver. Eh ben, il a du mal lui. On va retourner au village pour voir si on a ce qu'il faut. Ils sont combien? En espérant que j'ai assez, il en faudra aller à un autre endroit. Je vais monter sur ça. Aïe. Ah non. Ça aura le coup, je croyais, je l'avais pas vu le truc. Je me suis dit, j'ai sauté, j'atterris en bas. Il y en a assez. Est-ce qu'il y en a assez? Non. Ah non, j'en ai que 10. Ah ouais, dur. Le monde. Il faut les trucs jaunes. Je vais aller là. Ça va en avoir pas mal. Bon, va falloir aller attaquer, donc j'espère qu'ils vont pas me laisser tout seul dans le bateau. Ah, c'est bien. Let the sail out!
Ouais, ça, on est parti du bon côté. Là, il y a l'air d'avoir au moins 2-3 points jaunes. Donc, là, j'espère qu'il y aura de quoi construire. Je suis pas parti au bon endroit. Non. C'est ce que je me disais. On a fait demi-tour. Bon, il galère un peu, hein. Tourner alors qu'il fallait continuer tout droit. Ouais, il y a quelque chose à piller là. Non, je vais quand même aller là-bas, il y a plus de trucs jaunes. Donc on y est bientôt. On y est là, je pense. Ouais, c'est là, quoi. Je crois que j'étais à un endroit en fait où les bonhommes ils sont beaucoup plus forts que moi en fait, je crois. Je crois qu'en fait là j'ai été attaqué du bien puissant. Ouais, mais bon, le problème c'est que le prochain machin faut. Alors, j'en ai, on va réessayer, mais bon, vu les bonhommes, à mon avis. Ça va être compliqué, quoi. Moi, il me faut juste que je pille un ou deux trucs jaunes, là. Pour pouvoir construire leur truc qu'ils veulent, là. Et puis, c'est tout, quoi. Ah.
me! Oh, lui, il est gros. Je m'en vais parce que là on est vraiment dans un village, je pense que les machins sont trop élevés pour moi. Quasiment pas de dégâts. Ah, je suis bloqué là. Bah oui, je suis bloqué. Ah, être bloqué dans le noir quoi. Je vois rien. Ah, je pense que je vais essayer d'aller ailleurs hein, quand même. Je vais pas mourir 25 000 fois non plus. Hein. Un endroit plus, je sais pas moi. J'aurais dû faire l'oiseau là. Est-ce que je peux... Ouais, je peux faire un déplacement rapide. Je vais retourner au déplacement rapide là, je vais faire l'oiseau, comme ça je vais déverrouiller ce qu'il y a autour de la carte. Il y aura peut-être des endroits, parce que là, c'est même pas la peine, là, déjà, rien que les petits, là, le gros, là. Ah, il m'a foutu un coup de hache, n'a plus. Là, j'y suis toujours pas. Non, mais non. Ah, et puis c'est énervant aussi que le minuteur pour enregistrer la vidéo il soit pile poil là où il y a les logos au-dessus, que tu vois pas combien de mètres ils sont les logos. C'est franchement chiant quand même. En espérant que ça me déverrouille une bonne partie de la carte quand même quoi, que je puisse voir où je peux aller. Okay.
Bon. Maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on voit plus les richesses à gagner, tout ça? Quoi? On les voit pas beaucoup plus que ça, quoi. J'essaie d'aller voir celle-là, comme ça je vais faire l'oiseau en même temps. Ah, il est bien le jeu, mais je trouve que le personnage, comment il est rigide. C'est vrai, j'avais oublié le cheval. Et puis j'irai peut-être beaucoup plus vite. Mais après, c'est pas sûr parce que là, il faut que je traverse. Et à part si le cheval traverse à la nage. Voilà. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs jaunes, tout ça ici, c'est bien. Bon, je pense que le point de synchronisation, il doit être au-dessus de là ou non? Ah, c'est là-bas. C'est bien, c'est qu'il y a pas mal de points jaunes autour. Donc je pense que c'est la possibilité d'en avoir un, qu'on puisse construire leur monastère. Les richesses à côté. Il y en a plein. Ah, le personnage il est chiant à manœuvrer, hein. C'est dingue ça. Il y a un truc en dessous là. Huh?
Ah ça va être chiant les trucs jaunes je pense. Ah là c'est vraiment parce qu'il le faut pour la... comment dire? Pour continuer les missions principales quoi. Et sinon après... Après j'en aurai quand j'en aurai quoi. Je passerai devant quand je tomberai dessus. Là tu vas au point jaune puis t'arrives, t'as rien. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah ouais. Bah descends. Ah, ça doit être un truc pour un trésor. Là. Un masque rouge, ok. Ok, il y a des serpents. Ok, on va bien viser dedans. Eh ben, il en faut combien pour le tuer? Ok. On peut pas aller là? Allez là. D'accord, ok. Bon, ben on va s'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve pour le prochain épisode, pour la suite. Salut!